Mesdames et messieurs, bienvenue sur NAL TV International. Ici, c'est une couverture spéciale de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il Moulid et Nabawi. Et commençons avec les musulmans du monde entier qui célèbrent demain, le jeudi 29 octobre, le 1450e anniversaire du prophète Mohammed, né à la Mecque en Arabie Saoudite, vers 570 ou 571 ans après Jésus-Christ. Cette célébration est un événement religieux connu sous le nom de El Moulid ou El Maoulid, la naissance en Afrique du Nord et dans les pays arabes. Un commentaire. Les musulmans du monde entier célèbrent le 1450e anniversaire du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Né vers 570 ou 571 après Jésus-Christ. Cette célébration est un événement religieux connu sous le nom de Maulid al-Nabi, en Afrique du Nord et dans les pays arabes. Des conférences à sa gloire sur sa vie et sa mission de prophète, ainsi que ses œuvres et son modèle, sont toujours prononcées à cette occasion. Esplanade de mosquées, place publique, foyer de chefs religieux abritent ces manifestations. Le Maulid al-Nabi rassemble dans une grande ferveur religieuse. En Égypte, a eu lieu une remise de prix pour un concours de récitation de Coran et de Hadith. Citation du prophète Mohammed. Cette célébration religieuse est l'une des plus importantes pour la communauté musulmane majoritaire. C'est un jour où toute la famille se retrouve dans une atmosphère de joie. Cette célébration aurait vu le jour plus de 3 siècles après la naissance du prophète Mohammed. Elle a connu des périodes d'interdiction. Les sunnites comme les chiites commémorent cet anniversaire. Renoncer à la violence et au terrorisme dont les actes sont commis au nom de l'islam, rappeler les valeurs prônées par le prophète.